J'étais seul dans ma chambre, j'avais des rêves qui m'allaient trop grands. Je le voyais dans les yeux des gens, mais au fond c'était pas méchant. Tu sais pourquoi je prends mes distances? Parce que je suis fier des disques d'or à 19, mais je rêvais de l'avoir à 18 ans. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. Je suis trop contente de le faire parce que ça va être un vlog concert de Big Flo Oli. Donc c'est le 4e ou 5e je crois vlog de concert Big Flo Oli que je fais sur ma chaîne de vlog. Du coup je sais que ça vous plaît vraiment beaucoup. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous en faire un, de vous amener avec moi dans ma journée. On est le vendredi 13 avril et il est 9h07. Donc là du coup aujourd'hui je vais pas en cours pour arriver assez tôt au concert, faire la queue et être sûre d'être devant. Parce que la première fois que je suis allée les voir en Zénith, ben, j'étais arrivée bien trop tard. Du coup ben, ça m'avait un peu traumatisée. Donc je suis allée voir Big Flo Oli en novembre. Donc du coup ben, là on est qu'en avril. Donc ça fait pas très longtemps. Mais je vous avais pas fait de vlog parce que je vous en avais assez fait. Et je vous avais fait une story snap quand même assez chargée. Donc du coup je vous ai demandé si vous aimeriez que je vous fasse un vlog pour celui-ci. Parce que du coup au final j'ai pas, je vous ai pas montré les nouveaux shows, les nouvelles chansons, les nouvelles mises en scène, etc. Il y a que celui de la cour des grands. Donc, je suis trop contente d'aller les revoir aujourd'hui. Je suis un petit peu dégoûtée du fait que je pourrais pas rester après le concert pour aller les voir, leur parler comme d'habitude. Parce que je pars à une soirée, du coup ben, je rejoins des potes au concert là-bas. Enfin je vais chercher Pauline, je rejoins des potes et ses potes m'amènent à une fête. Et après je vais chez ma pote initiale là que vous parlez du début. Donc coucou Pauline. Je pense que ça va être une journée au top. J'espère vraiment qu'il va pas pleuvoir. Et du coup voilà, j'espère que ce vlog va vous plaire. C'est parti. Coucou, il est 11h48, donc on vient d'arriver au petit Zénith. Donc du coup je vais vous montrer combien il y a de gens, mais je crois qu'on est même pas 10, donc du coup c'est top. Voilà, il fait un petit peu frisqué, mais c'est pas grave, à tout à l'heure les miches, bisous. Du coup voilà, il y a personne et c'est génial, voilà. Coucou, donc là il est 15h, il y a Florian qui est arrivé, sa copine, est-ce que tu vas apparaître? Oui. Et sa copine, il y a toujours Pauline, Clément qui est arrivé, la clé de la base, il fait oh putain. Et du coup on en a un peu marre, c'est un peu long, on a mangé, on écoute de la musique depuis tout à l'heure. Et du coup voilà, bisous les michetots. Ok. Il y avait Mathis, il y avait la tête, il y avait comme ça, il se noyait. Il a fait un geste. Les abonnés de Vivi, bonne fille de. Oh. Dédicace à tous mes tétiennes de France. Non mais ça va. T'es obligé de le mettre, hein, je m'en fous de. Il met comme ça. Oh putain, elle a fait la grosse groupie, regarde. Il est 5h. 27. Nous sommes actuellement posés devant le Zénith, tout simplement. Belle infrastructure. Voilà. Franchement, on peut faire un petit. Ouais, voilà. Belle architecture. Nous sommes des agents très compétents. Bon, du coup. Et nous sommes très heureux d'avoir été sur ce vlog qui sera posté, monté par nous. Ouais, au moins, oui. Donc là, il est 19h42 ou 18h42. Ah voilà, il est 18h43 et du coup on est rentré, donc là on est tout devant, comme d'hab. J'avais trouvé un rectangle au milieu de la salle et du coup moi j'avais trouvé une place plus devant, donc du coup je suis partie avant les autres, j'ai couru, du coup je me suis séparée d'eux, j'avais trouvé une bonne place, ils n'ont pas voulu venir, du coup je me retrouve là. C'est triste. Oh là, il y a un giga rectangle là et ensuite il y a la scène, mais on voit rien du tout parce que là ils n'ont rien éclairé et du coup là-bas il y a les gradins et tout. Voilà. On est rentré, il y a Brioche Keseo et on est très bien placé puisqu'on est devant la barrière. On se retrouve pendant le concert pour quelques petits snaps et pour votre vlog préféré. Il y a l'after après. Et après, ah oui, il y a l'after. Là c'est gros vlog. Et après, vlog after. Là. Et à l'after. Et à l'after, Victoria va choper. Elle sera bien belle la vidéo. Ok. Hey, c'est pas mal tout ça là. C'est pas mal, c'est pas mal. Premier stade c'est passé. On va compliquer un peu. Vous voulez rentrer dans l'histoire? Bienvenue. Tu voulais rentrer dans l'histoire? Bienvenue. Tu me fatigues. Tu me fatigues. Tu me fatigues. Hey, le Zénith de vous n'est pas encore là. Gauche. Ça fait droite. Et ça fait gauche. Et ça fait droite. Et ça fait gauche. Hey.
dit on fait tous les Zéniths de France. J'ai dit je signe où? Je signe où? Parce qu'ils ont un public de folie. Alors moi j'ai c'est vrai. Alors moi ça y est, je les connais bien, je les connais très très bien. Big Flo, c'est Florian, c'est le très maigre. Il fait 27 kilos. Il se promène avec les clés de chez lui parce qu'il a un appartement, il a une porte blindée. Et comme la clé elle est grosse, s'il y a le Tramontagne ou le Mistral, il s'envole pas parce que c'est technique. Et Oli, c'est celui qui a la grosse tête. On l'a offert une moto, il peut pas faire de moto parce qu'il n'y a aucun casque qui lui va. Il peut pas mettre de casquette non plus. Moi je les adore, mais ils sont super. Stop. Ok. Pour Oli, en gros, tu prends un choupi, t'enlèves le nez rouge, la salopette, et tu rajoutes de la barbe. Et il est plus grand que son grand frère. Enfin, pas si grand là, ça va. Ok, un peu moins. Voilà. Big Flo, Oli. Oli, Big Flo. Comme ça, plus personne ne confond. On est frères, vrais frères. Pas genre, ça va frère. Tu vois ce que je veux dire? On a les mêmes parents, quoi. Enfin, je crois. Comme ça, tout le monde est au courant de ça aussi. On est né à Toulouse. Le Capitole, blabla. L'amour que j'ai pour mon frère est toujours vainqueur, même si on tarde de rejoindre de l'autre côté. Dans ce milieu, j'ai été très déçu, je te le dis tout de suite. Comme la fourrure, elle ça nous a refusé le fit. De bruit pour notre père, monsieur Fabien Dorot. Bonsoir Toulouse. Oui, ça fait un peu de monde hein, ce soir, papa, franchement. Ce soir, spécial, parce que... Vous faites votre spectacle de menteur et d'idiot, je m'occupe d'éteindre la salle et de fermer les rideaux, j'ai des aiguilles dans le cœur. Même pour tout le monde, je prendrai juste un raccourci. J'ai souffert de décevoir tout ce que j'aime. J'ai plus de peur que de la peine. Tu sais ce que c'est? Le vrai problème que tu as ce soir, Oli. Ce que t'as, c'est que, de mon côté, et je le sais parce que je les ai tous vus, il n'y a que des vrais Toulousains. Eh frérot, c'est quoi cette discrimination? De mon côté, ça vient de partout. Muret, Colomiers, La Beige, Bagnard, fais du bruit! Faites du bruit!
Oh là là, le massacre, ça va être un massacre. Frère, quoi? Tu parles beaucoup, ouais. Essaie un petit truc. Je sais que c'est difficile pour toi. Essaie de rapper bien pour voir, tu vois ce que je veux dire? Toi, tu parles beaucoup, essaie un petit truc, les chewing-gums. Côté du flow, s'il vous plaît. Le temps des premières soirées, on mettait du rap à fond, les autres nous prenaient pour des tarés. On taclait sur le béton, à s'en racler les genoux. On s'est vite rendu compte que les filles étaient pas pareilles que nous. Les premières erreurs, les premiers collègues, les premiers écarts, les premières tentatives, les dragues avec nos têtes de tétards. Par fierté, on étouffait les cris du cœur, on grattait des pièces avec une règle sous les distributeurs. Et Marion, tu te souviens? Des politiques à la télé qui dépassent, des vidéos, des balles, des coups, du poing, des battes, des patates, dans la tête, des papiers, des balles, qui se perdent. La fin du monde, c'est devenu banal, des petits ligands, des pauvres, des assassins. Meilleure soirée ce soir, foutez-moi le bordel s'il vous plaît. Désolé, on me voit pas trop, il est 11h30, le concert est fini, c'était... Nul à chier. Oh, c'était giga bien, ça c'est super bien passé, je la vois péter. De la merde. Non, en vrai j'ai c'était super cool. J'ai jamais participé à un concert aussi merdique, du coup, pas c'était... d'ambiance. Oh, stop. C'était à peu près la même mise en scène que le bikini, donc du coup je vous avais pas vlogué, mais je vous avais snappé pas mal. Il y avait ben, là, tout qui était pareil, mais ils avaient apporté quelques modifications, du coup c'était swag. Je m'attendais juste à ce qu'ils fassent venir des gens, genre des invités ou quoi, mais sinon, vraiment, c'était super bien. Et voilà, je suis contente, c'était un petit message à dire. À cette heure-ci, il y a 2 ans, on pleurait parce que le projet des feuilles avait marché. Oh non, stop. Voilà, mon rouge à lèvres, il s'est un peu barré. Oui, au revoir. Voilà, bisous les michetons. Une remarque par rapport au concert. Ah oui, explique où on va et qu'est-ce qu'on fait. Où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on Alors, fait on va, qu'est-ce qu'on fait. On part de Toulouse direction un endroit, Montesquieu, dans le Gers, direction Saint-Martin en premier temps pour passer chez Florian, puis ensuite nous allons à Montesquieu. Tu veux dire son numéro de rue aussi? Et après nous partons à Montesquieu faire la fête comme se doit. J'ai gagné une casquette, un pull, un t-shirt. Je vais aller vite parce que du coup il y a la musique et du coup je pourrais pas mettre ce moment parce qu'il y aura les copyrights. Mais du coup je vous avais demandé sur Snap si ça vous intéresserait que je snap la soirée. Vous m'avez dit oui, du coup ben je le fais. Voilà.
Pourquoi ils sont pas dedans? Nous arrivons à l'after. Mais la il a fait, comme il a fait le fou, mais c'est quand même. On voit rien du tout. Ça pue la merde par contre. Tu sais quoi, par contre, si je filme pas, c'est que je suis bourré. Voilà. On voit rien, Clément, je peux pas filmer l'arrivée de l'after. Pardon, bonjour, alors nous sommes actuellement arrivés à Montesquieu. Ouais. Montesquieu, c'est... Là, on va sur le vlog de Vivi. Alors, il est 2h27, ouais. On est à l'after, grosse ambiance. Là, il y a son deuxième manager ici présent, Clément Roussel. Alors, on vous annonce que Vivi va bien. Elle boit un petit verre tranquillement, elle se la coule douce. On surveille très bien votre youtubeuse préférée, vous en faites pas. On est là pour elle. On est là et on est là. Coucou les michetots, donc là il est 3h20, je suis désolée, on a assez vu d'horreur pendant la guerre. Donc du coup je rentre de l'after, j'ai pas beaucoup filmé, finalement on est parti plus tôt parce que c'était un peu nul, du coup c'est pas grave. Du coup je sais pas si au final je vous ai beaucoup filmé ou pas, enfin je sais que Florian et Clément ils avaient pris mon téléphone mais je sais pas ce qu'ils ont fait au final. Sinon j'espère que le vlog vous a plu, au final j'en ai vu aucun d'entre vous au concert Big Folie parce que vous avez pas osé venir me voir, même si je mange pas, merci, c'est pas très gentil. T'as un petit commentaire à faire? N'hésitez pas à liker le vlog. Merde, j'ai fait le mauvais geste. N'hésitez pas à liker le vlog si ça vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. Et je sais que j'ai oublié plein de trucs à dire, mais voilà, c'est pas grave. Du coup, au vlog du meet-up de Tarbes. Et après, sinon, je ferai plus de vlogs jusqu'au concert de Val et d'Indochine. Voilà. Bisous les michetots. C'est pas ça le trop. Bye. Je plus trop en la magie. Je sais, je suis jeune, mais je suis qu'un vieux nostalgique. Je ferme les yeux et je m'en vais. Effort d'évasion, loin sur une île déserte, mais j'ai peur de l'avion. J'écoute le silence comme si c'était du Michael Jackson. J'ai recouvert le miroir.